que je vous propose maintenant, c'est de prendre un exemple avec un Phantom 4 Pro. On sait que sa distance focale est de 8,8 mm, la taille du pixel est de 2,41 micromètres. On va supposer qu'il vole à 50 mètres de haut. Quelle est la résolution? On applique la formule et on trouve 1,37 cm par pixel. Plus souvent, on va chercher à quelle hauteur voler pour atteindre une résolution donnée. Donc on reprend le Phantom 4 Pro, on vise une résolution de 1 cm par pixel. La formule nous dit qu'il faudra voler à 36,5 mètres de haut. Attention, la résolution est d'autant plus mauvaise que la valeur de résolution est grande. Une bonne résolution, c'est donc une petite valeur de résolution. Donc il n'est pas toujours simple de trouver les données des capteurs de nos drones. La distance focale réelle n'est pas toujours donnée par DJI. Par exemple, elle est donnée sur le Phantom 4 Pro, 8,8 mm, mais elle n'est pas donnée sur les Spark Mavic et Phantom 3. Pour vous simplifier la vie, j'ai mis l'ensemble des données collectées ou calculées dans ce tableau pour les principaux appareils DJI. Donc cet ABAC vous donne la relation entre la résolution et l'altitude pour nos différents modèles. Ce qu'on observe rapidement, c'est qu'avec les capteurs moins bien définis, Spark, Mavic, Phantom 3, ou avec des focales très courtes, il faudra voler plus bas pour atteindre une bonne résolution. Ce qu'on va faire afin de comparer la théorie et la réalité, on va prendre une photo à précisément 50 mètres de haut de cette cible, en fait de la piste d'atterrissage. Donc il suffira de compter le nombre de pixels sur la photo de manière à avoir une bonne idée de notre résolution. Donc on va faire la manip avec le Spark, le Phantom 3 Pro, le Phantom 4 Pro et l'Inspire. Donc ça nous permettra de confronter la réalité avec les calculs théoriques. Donc c'est parti, on décolle et on prend nos photos. Sur les bords de l'image, toutes les imprécisions sur les données capteurs et puis la réalité qui fait que les surfaces sont jamais strictement planes font que la résolution qu'on obtient, c'est une estimation de la réalité. C'est une approximation qui nous suffit par rapport à l'objectif de faire un modèle 3D. La résolution, c'est pas tout. Il faut également regarder par rapport à la productivité qu'offrent ces appareils, c'est-à-dire le nombre de photos à faire pour atteindre une résolution donnée sur une surface. Sur un appareil qui a un capteur moins bien défini, mais une focale longue, ça permet de voler un peu moins haut. Malheureusement, il faudra quand même faire plus de photos puisque l'angle de vision est plus court. La réalité, c'est quel est le nombre de photos à faire pour une surface donnée. Donc là, je vous ai comparé les résultats donnés par DJI GS Pro sur différents modèles. On a fait les calculs sur 1 hectare, c'est-à-dire 100 mètres sur 100 mètres, et 100 hectares, 1 km sur 1 km. Le nombre de photos à faire est très lié finalement à la définition du capteur, puisque sur les Spark, Mavic et Phantom 3 et le 4 classique, on a un nombre de photos à peu près équivalent. Ensuite, on va trouver les capteurs 20 mégapixels avec le Phantom 4 Pro,
les GH5, etc. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment augmenter la résolution. Trois possibilités pour augmenter la résolution. Soit c'est d'augmenter la définition du capteur. Donc ça, c'est encore possible quand on n'a pas choisi avec quel appareil on va travailler. Une fois qu'on a déjà acheté un appareil, comment on peut faire pour augmenter la résolution? On peut jouer sur la distance focale, c'est-à-dire l'agrandir. Ça, c'est possible si on a un appareil photo avec un objectif réglable. Et le dernier levier, c'est de réduire la distance ou de réduire la hauteur de vol. Alors, ce qui améliore la qualité en photogrammétrie, mais qui n'améliore pas la résolution, c'est d'augmenter les chevauchements. Donc, en synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que la résolution, ça ne fait pas tout. La qualité de l'objectif, la taille de l'objectif joue beaucoup sur la qualité de la photo, sur la quantité de lumière qu'on va pouvoir faire rentrer. La qualité de l'optique est aussi très importante. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous sera utile. Je vous retrouve bientôt pour la suite des 2 minutes du drone.